fallait faire beaucoup plus, et en particulier pour des édifices moins connus, pas forcément classés, pas forcément inscrits à l'inventaire des monuments historiques, mais aussi, par exemple, des demeures privées, des petits châteaux, des petites églises, des chapelles, et d'autres choses encore. Et d'éloigner les étourneaux pour limiter deux types de nuisances, à la fois des nuisances de bruit quand les étourneaux se posent, donc c'est-à-dire à la tombée de la nuit entre 8h et 10h, mais aussi des nuisances en termes de propreté pour éviter les déjections de ces volatiles.